Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'audio de la pleine lune et de l'audio Canal 8D qui ont été créés par mon amie Sarah Trigo. Et j'avais envie de partager ma petite expérience avec ces deux audios que j'ai pu acquérir. Donc pour le premier, pour la pleine lune du 8 avril, et pour le second, tout de suite après, en fait, parce que j'ai perçu que c'était quelque chose qui allait être contributif pour mon corps. Et j'avais envie de partager, voilà, l'expérience que j'avais eue avec ces deux audios. Donc j'ai commencé par écouter l'audio de la pleine lune lorsqu'il y a eu la pleine lune du 8 avril. C'était quelque chose d'assez doux et agréable. Et j'avais vraiment le sentiment d'être connectée à cette puissance qui était la puissance de la pleine lune, qui était une super lune le 8 avril, et comme si ça venait en fait réveiller chez moi des capacités qui étaient enfouies et que je n'avais pas envie d'aller regarder de peur d'être trop ou d'aller trop vite ou trop loin. Donc c'est vraiment venu réveiller un petit peu tout ça pour cet audio de la pleine lune. Je n'ai pas eu de ressenti comme certains, soit de froid ou voilà, pas de ressenti particulier dans le corps, en tout cas, pas pour cet audio-là. Et je voulais aussi vous parler du coup du canal 8D parce que c'est le canal qui, l'audio en tout cas, qui pour moi est le plus puissant. J'ai acquis l'audio et j'ai commencé en fait pour la première écoute à l'écouter pendant que j'étais en train de faire ma formation en Ayurveda, en médecine ayurvédique. Et ça a vraiment, j'ai eu le sentiment en fait que ça venait décupler l'apprentissage. Donc ça, c'était plutôt chouette comme sentiment et comme ressenti. Et puis les autres fois, donc il y a eu certaines fois où j'ai essayé de l'écouter aussi pendant que je dormais. C'était moins confortable pour moi pendant la nuit. Je sais que d'autres l'utilisent pendant la nuit. Et vraiment, là où ça a été aussi très probant, c'est lundi dernier. Il y a une semaine, en fait, j'étais pas super en forme, vraiment pas bien, nauséeuse, enfin, pas en forme du tout. Et ce qui m'est venu, c'était juste en fait d'aller m'allonger sur mon lit et d'écouter l'audio. Donc j'ai écouté cet audio allongé sur mon lit sans attente particulière. Je ne savais pas trop ce que ça allait produire en fait. Et suite à l'écoute de l'audio, j'ai tout de suite eu un regain d'énergie, comme si mon corps s'était vraiment allégé de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Comme si ça l'avait nettoyé aussi. Alors là, je sais ce que je vais dire va faire une super pub, mais vraiment si je le dis, c'est avec toute honnêteté et même sans l'avoir dit même à Sarah. Donc elle va l'apprendre en recevant cette vidéo aussi. Et ce qui est assez drôle, c'est que mon corps s'est vraiment allégé. C'est-à-dire que quand je suis montée sur la balance, le lendemain, j'avais perdu 2 kilos. Donc voilà, il y a des choses que l'on porte peut-être et puis qu'on ne devrait pas porter. En tout cas, cet audio et celui de la pleine lune aussi, bon, même si moi je penche plus pour le 8D, sont vraiment des contributions pour le corps et j'ai une gratitude infinie pour Sarah qui a pu nous faire partager ces outils merveilleux. Voilà pour mon témoignage. Belle journée à tous!